Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont abattus. 7 millions de personnes meurent de maladies engendrées par la pollution et 26 000 espèces disparaissent. Actuellement, 44 000 espèces sont menacées d'extinction. Notre planète se dérègle et l'être humain en est responsable. Dans le département de la Vienne, une association lutte pour la protection de la nature. Appuyée par des bénévoles dans leurs actions, actuellement 9 personnes sont salariées et travaillent au jour le jour dans ce but. Cette association, c'est Vienne Nature. Et elle a 3 objectifs. Apprendre, informer et protéger. En apprendre davantage en menant des enquêtes et des suivis de population. Tout cela pour faire avancer les connaissances scientifiques sur les milieux, les animaux et les végétaux. Avec des animations, des sorties pour apprendre à reconnaître les espèces, Vienne Nature veut transmettre ses connaissances pour sensibiliser à une nature en danger et faire découvrir la biodiversité méconnue de la Vienne. En participant aux commissions officielles, à la mise à jour des statuts de protection des espèces et parfois même à des recours en justice ou des actions militantes, Vienne Nature agit pour la protection de l'environnement. Parmi tous les acteurs de l'association, nous avons interrogé les responsables de 2 projets naturalistes. Alban Pratt pour l'enquête blaireau européen et Alice Chéron pour l'enquête 3 mammifères. L'enquête blaireau a démarré en 2010. J'avais été contacté à l'époque par le président de l'association qui notamment voyait le sujet du blaireau régulièrement revenir sur la table. Certaines personnes réclamant son retour sur la liste des espèces nuisibles et puis accusant de nombreux méfaits. Le blaireau, ça fait des dégâts, le blaireau, il y en a trop, le blaireau, il faut faire quelque chose. On sait très bien que le blaireau, de par des exemples des années passées, notamment l'épisode de rage qu'il y a eu dans les années 80, souffre beaucoup d'une pression anthropique, d'une pression humaine trop forte. Ce qui s'est passé dans l'est de la France, dans l'épisode de rage, il peut disparaître localement. Donc on s'est dit que c'est un animal qui est quand même en sursis. Donc on va essayer de s'armer en argument, d'essayer de collecter un maximum d'informations pour avoir un maximum d'éléments et mieux pouvoir défendre son statut, le cas échéant. Et puis c'était aussi une occasion de faire une enquête sur un mammifère ciblé, ce qui à l'époque n'avait jamais été fait dans Vienne Nature. On s'est lancé pour objectif d'explorer, enfin d'inventorier un dixième du territoire départemental pour y dénombrer l'ensemble des terriers principaux. Un terrier principal, chez les blaireaux, ça détermine un clan. Donc à partir de là, ça nous donne une unité en fait pour estimer une population, pour observer des tendances dans les mœurs, dans l'écologie globale de l'animal dans notre département. Donc avec les pièges photographiques, on récupérait des données, mais on a eu aussi l'aide de bénévoles très impliqués, dont notamment des personnes qui avaient la chance d'avoir un terrier dans leur jardin et qui ont installé plusieurs pièges photos autour du terrier et qui se sont vraiment pris au jeu. Donc du coup, ils ont collecté des heures, ça doit se compter en semaines, de données vidéo, ce qui permet un suivi d'un terrier sur plusieurs années. Alors, le projet Enquête 3 mammifères, il a débuté en 2017, du coup. L'idée, c'était de travailler sur donc, ces 3 espèces, muscardin, campanile amphibie et crocope aquatique, qui sont 3 espèces de micro-mammifères protégées dans la Vienne, dans la région, mais aussi au niveau national, mais sur lesquelles on a actuellement moins de connaissances que sur d'autres espèces qui sont aussi protégées, autant dans le département que dans la région, et pourtant sur lesquelles il y a beaucoup de travail à faire. Donc déjà, toute l'étape de,
de prospection de terrain pour mettre à jour les cartes de répartition. Savoir où est-ce qu'on en a, où est-ce qu'on n'en a pas, sur quel type de milieu. Et donc pour pouvoir avoir plus d'arguments dans nos futurs projets de conservation sur ces espèces-là. On a produit une plaquette de sensibilisation pour le campanile amphibie, par exemple, auprès des piégeurs, pour essayer de travailler avec eux là-dessus, faire attention à cette espèce protégée-là, mais aussi mettre en place peut-être des sorties, des formations auprès des bénévoles, du grand public, pour faire parler de ces trois espèces qui sont, je pense, méconnues dans toute la région. Du coup, le campanile amphibie, c'est facile comme son nom l'indique. Il est inféodé au milieu aquatique, donc tout ce qui va être rivière, étang, mare, mais aussi les fossés qui sont en eau une grande partie de l'année. Il va utiliser le milieu aquatique pour se déplacer, trouver ses ressources alimentaires, mais aussi se protéger. Il peut se réfugier dans l'eau, aller se cacher et rejoindre son terrier. En fait, pour confirmer la présence du campanile amphibie, il faut trouver ses crottiers. Il faut les retrouver juste au bord de l'eau, jusqu'à potentiellement 1 mètre, 2 mètres de distance de l'eau. Et un autre élément qui peut vraiment aider à le trouver plus facilement, c'est des berges très enherbées, avec une végétation herbacée de au moins 30 cm de hauteur. C'est ce qu'on dit en général. Nous, c'est ce qu'on a l'air de confirmer sur le terrain. L'association Vienne Nature peut compter sur ses salariés, mais pas seulement. Je suis Marie Legrand, vice-présidente actuellement de Vienne Nature. Je suis Olivier Prévost, je suis administrateur de Vienne Nature depuis 1994. Je suis à l'association depuis quelques mois. J'ai adhéré à Vienne Nature en 1967. Je suis bénévole et je fais partie du conseil d'administration. Hélène Lepage, je suis l'animatrice nature de Vienne Nature. Pour moi, c'est l'association parmi toutes celles que j'ai connues où il y a le plus d'efficacité dans le travail pour protéger l'environnement. Vienne Nature avait d'un côté une activité naturaliste, inventaire et protection du patrimoine naturel, de l'autre, une action plus militante sur des sujets environnementalistes. Ça permet de découvrir et apprendre sur l'environnement. Je faisais beaucoup de photos auparavant et là, malheureusement, je me dis que des photos, c'est bien de nature, mais si je peux apprendre plus sur ce que je photographie, c'est intéressant. Pour pouvoir valoriser la biodiversité départementale, sa recherche, sa protection. L'étude de la faune et protection de la faune. Surtout beaucoup d'engagement au niveau des grands thèmes environnementaux. Le nucléaire. Les pesticides. La protection de l'air, de l'eau. Le photovoltaïque, l'éolien et tout ça. Sur les problèmes de pollution. On a des prises de position qui sont plus politiques. Très grande convivialité intérieure. En termes de salariés, on a une super équipe qui est aussi très dynamique. Il y a plein d'activités pour tous les goûts, pas uniquement de la chasse aux papillons. J'aime aller sur le terrain, gratter, trouver des terriers de blaireaux, des crottiers de genettes, etc. Voilà, plein de choses à faire.